Cours avec les pom-pom girls, tu as une minute pour te changer, fais-nous ton plus beau porté. Il est l'heure? On est prêt. C'est ouais, le jour J. Regarde, ils ont déplacé la table et tout. On avait des coques au mur Rhinoshield et dedans on avait dit qu'on allait mettre des gages. Il y a des gros gages et des petits gages. Ok. Ok. Là j'ai deux pailles. Ah. Celui qui tire la grande paille aura un gros gage. Oh, et du coup on choisira le gros gage ici. Ok. Ça stresse. Ah! Fais attention. Putain, c'est comme zizi. Tiens, tiens, bah vas-y. La même taille. Ok, donc Jordan, t'auras le gros gage. Et on va commencer par le oh, petit go, gage. Oh, let's go, let's go, let's go. Ok, c'est parti. Mais attends, mais là, c'est les petits gages en gros. Et à gauche, c'est les gros ouais, gages. Ouais, c'est ça. Ouais, allez, petit gage. Attends, choisis bien la coque. Choisis bien la coque. One Piece. Ah, bah oui, bah oui. Tu as 10 minutes pour faire un gâteau sans la recette. Oh, un, deux, trois. Top, trop long, est parti. Comment ça, un gâteau sans la recette? Là, t'as les ingrédients. Et il y a tout dans la cuisine. Tu te démerdes. La suite sur la chaîne de Théo. C'est un gâteau, yo. Mec, j'ai goûté à faire là. Il a couche. C'est quoi? Non, c'est dégueulasse. Pourquoi moi? Tu gagnes 5 euros. 5 euros. Oh, l'aubaine. Je dois faire quoi? 5 balles. Croc, je te rends. Mais non, mais tu vas avoir. Fais-le au-dessus de l'évier par contre. Vas-y, Kiki. Vas-y, Kiki. Croc dans le. Aspire ça. Aspire le bail. On goûte? Vas-y, aspire. Pas de sûr? Oui, c'est vrai. Mais Julius. Oh la vache. Regardez ça. Bon, bravo, François. Zéro fake ici. T'es massa. Vas-y, je te fais. Tu vas faire quoi? Je le gobe en une fois. Vas-y. Oh, attends, il est là. Ça me fait mal au ventre. Vas-y, attends. Oh la vache. Qui mange un œuf, chie un œuf. Hein? Vas-y, vas-y, attends. Oh putain. Eh, mon pote. Eh, hey, il a pas vu encore? Non, pas encore. Vas-y. C'est la journée One Piece. Merde. Attends, tu sais exactement lequel c'est derrière lui? Ah non, vas-y, je dis rien. Cours avec les pom-pom girls, tu as une minute pour te changer, fais-nous ton plus beau porté. En plus, c'est qui les pom-pom girls? Je suis en train d'arriver là. Comment je me change là? Là, là, ouais. Non. Attends, je t'invite à regarder là-dedans vite fait. Waouh. Oh là là. Let's go! J'ai jamais autant regretté de ma vie. Pas faire un gâteau, yo. Ça va être cool, on sent bien là. Ouais, franchement, ça va. Je commence à kiffer un peu. Qui peut faire le meilleur move là en one shot? Genre un move de fou que je ne pourrais pas reprendre. T'as 30 minutes. 30 minutes pour apprendre ça. Si. Oh. Refais un peu. Et tu dis c'est les Wildcats. Wildcats. Oh. Ah, y a un délire, je sais. Je commence à avoir le goût là. Ok, maintenant vas-y. Salto avant. Et tu fais Wildcats comme ça. Vas-y, salto avant. Wesh! Wildcat! Wow! Je suis content que vous assistiez à mon premier spectacle de Pom-Pom Girl. Non, on est content aussi. On est content. C'est quoi le mieux? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Rien, je vois vos têtes là. C'est trop lourd. J'ai un truc à. Non, c'est le monde de. Non, faudrait que je fasse le porté avec Théodore. Le porté, je peux le faire avec lui. Non. Si, gros, serait top. Non, t'inquiète. Le porté avec Théodore là? Non, ça y est. Non, Théodore, t'es officiellement mon porté, ça a été décidé. Non, si, ça y est. Là, il faut d'abord une démo et ensuite c'est un petit cours. Ah ouais, montre un enfant. Ce sera probablement copyright la musique, donc on mettra autre chose. Ok, faut décomposer un peu les mouvements. Ça, j'étais chaud. Allez, premier mouvement. Comment ça va? Bon là. Et tu fais un effort. Comme ça. Ouais. Okay. T'es mauvais. Grosse merde. Attends, je l'ai pas. Je l'ai pas. Attends, j'ai plus. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y'a un délire ou pas? Ouais, c'est bon. C'est bien, c'est super. Les gars. C'est mon patron! Montrez un porté comment on fait là.
Non mais t'inquiète gros, moi je vais me mettre comme ça en réception. Mais quoi? Faut que je soulève là comme ça. Faut que je gagne, faut que je fasse quoi moi? Mais moi j'ai pas perdu au gage. Allez allez on fait. Qui s'y colle? Moi je m'y colle. Merci, et je suis épuisé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Non mais c'est un move de... Ah ok. C'est un move à moi ça. Ah oui d'accord. Allez follow sur TikTok, sur Insta, ça s'affiche là. C'est bon, y'a personne. Je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire, je vais être pom-pom boy. J'ai kiffé. Mais j'étais frais, synchro, j'ai kiffé ma danse. À un moment, j'ai mené un truc et tout, j'ai arrivé le truc, je pense vraiment que ma danse est... En vrai, au Super Bowl, elle passe. En tout cas, j'ai kiffé les chaussettes aussi. Je trouve qu'il y a un petit flow. Après, dites-moi. Ça, ça va se passer une fois par mois, normalement. Et c'est enfin lancé les Cochrane Shield avec les gages à l'intérieur. C'est lancé, il y aura un gros gage par mois, un petit gage par mois. Je prie fort pour que ce soit Théo qui ait le prochain gros gage. Espèce de gros fils de p*** de photographe. T'es mort. Moi si je t'attrape je t'en ta mère. Vas-y c'est bien, vas-y, vas-y. Si je t'attrape je t'en Prends chaise. Fuck ouais. Je vais te botter le cul. Ouais, botte-moi le cul. Toi je vais te botter le cul. Ouais. Je vais te botter le cul à toi et ta mère la ok. Ok, go. Là tu vois je te la foutre dans la là. Pas mal. Hein. Quoi qu'il arrive je vais te la foutre dans la dans tous les cas. Hein. Je vais te la mettre. Attends là, faudrait la lumière, faudrait la lumière. Ok ouais ça marche plutôt bien en vrai. Je te montre comment désarmer quelqu'un. Waouh. Vous voulez me tirer dessus? Paf. Mais non, tu tires pas en fait. Je vais vous expliquer, en fait faut des conditions mais... tu vois, on est dans un stage là de... Voilà, j'arrive, je suis en mode... Voilà. Monsieur. Non mais non. Bah non mais ça marche pas. En fait on est dans un stage de désarmement, faut que je te désarme. Donc c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Le mec il va pas arriver, il tire dessus là. Ok. Hop, j'ai ça dans la poche. Waouh. Alors là. Bonjour. Bonjour. C'est une arme que vous avez? Paf. Non mais non. Là tu m'as pointé de l'arme. Okay. Donc là voilà. Ok donc ça commence déjà par une discussion. Monsieur, cette arme. Tcha. Regarde, tu vas sentir une pression là. Tu vois? C'est que je dois lâcher, c'est parce que j'appuie sur ton séminaire. Quoi, c'est le nom de la veine? Ah oui. Oui. Je lui appuie sur le séminaire. Là, à tout moment, je lance l'arme, je désarme le truc. Donc là, incapacité pour moi de tirer. Tac, un coup là, un plexus. J'enfonce dans le nombril. Je lâche le séminaire. Le bras, de toute façon, quand j'ai appuyé là, il a plus de sang. C'est vrai. Donc là, il est ballant. Il est ballant. Je prends ici la tête. Ouais. Je dis, ouais, ouais. Arrête ça tout de suite avec les armes. Tu vois, tu lui balances un truc de choc. Oh. Tu baisses la tête et tu le prends dans tes bras. Et tu lui dis, je m'excuse. Si tu veux parler à quelqu'un, je suis là. Je suis désolé. Essaie d'appliquer, Imo. Hop là. Oui, bonjour. Bonjour. Ok. Je vais vous tirer dessus, monsieur. Waouh. C'est bien, le séminaire. Y'a un truc qui va pas là. Le séminaire. Ah, pardon. Y'a un truc qui va pas. Ouais, là t'as appuyé sur le séminaire. Hop, attends, t'as lâché le séminaire, donc là, fais le pas. Ah ouais, non mais oui. Je lâche pas le séminaire. Les fusils à pompe, le cours c'est après. Hein. Ok, ça marche. Je reviens tout à l'heure. Il n'y a pas de soucis, vous pouvez rester. Dans une minute, on finit le séminaire. Ok. Sur le séminaire, justement. Du coup, okay. Là, hop. Donc là, t'as ton arme. Elle coûtait combien déjà? 200 balles. Yes. C'est ok. Paf. Ouf, dans le plexus. Dans le plexus. Ouais. Tu finis ouf, dans le nombril, donc là je me baisse forcément. Donc là ça me met en confiance. Tu arrêtes ça maintenant, tu vois. Tu dis quand même. C'est bon, tout va bien. Si tu veux parler, je suis là. Et c'est super. Les fusils à pompe? Oui. Bienvenue dans ce nouveau séminaire où on va apprendre en fait à désarmer quelqu'un qui possède un fusil à pompe. C'est plus du tout pareil qu'un pistolet pour cette fois. Ok. Bonjour. Waouh. Ok, donc là on est dans une situation complexe où j'ai un fusil à pompe en face de moi. S'il tire, je m'en sors pas. On teste. Non, mais c'est pas ça le truc, c'est pas vrai ça. Il est en train de trembler avec son arme. Mais c'est fini. Surtout, premier réflexe, ne pas trembler. Ça, faut annuler le tremblement. Ah. Je t'explique pourquoi je fais ça. D'accord. Lui, il s'attend pas à ça. Il veut pas avoir une vision d'horreur d'une tête explosée, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un fusil à pompe, là. Si ça pète, ça explose, tu vois. Imagine, ça ouvre comme ça une fois que t'es dedans. Oui, mais ça, c'est terrible pour toi. Ouais. Moi, je vais rien sentir, je vais mourir. Mais toi, par contre, tu seras traumatisé à vie. Est-ce que t'as envie d'être traumatisé à vie? Non. Voilà. Attends, il y a une autre personne qui s'est inscrite. Waouh, putain. C'est juste après, c'est juste après, c'est le cours d'après. Hop. Là, j'ai déjà mis un coup sur le côté, sauf que je t'ai pas tapé que ta main, si tu regardes bien ici. Mais là, en fait, ce que je viens faire, c'est créer un puits ici. Regarde, appuie là, viens ici. Tu vois le trou qu'il y a? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y fourrer mon auriculaire.
Hop. Là, tu vois, là il est en emprise. Et là, c'est mon petit chien, j'en fais ce que je veux. Et regarde, regarde bien la cuillère. Si je fais hop. Oh la vache. J'ai déverrouillé son canal carpien pour qu'il lâche la cuillère. Là. Poc. Un petit coup de coude dans la gueule. Ah ouais. Il est sonné et je lui dis, mon pote, plus jamais tu m'agresses avec une cuillère, c'est fini. Bon, C'est juste que je vois là, je voulais. C'est pas une arme, c'est un extincteur, j'allais poser. Vas-y, vas-y. Ouais. Come on. Qu'est-ce que je fais? Je m'agresse, ok. Ok, là je le prends. On prend ensemble. On entend l'enfant. Il tourne si vite. Stop. Voilà, là t'as le tournis là. Je le pose. Hop. Une claque. Calmez-vous. Trois claques. Là t'es au sol. T'es sonné. Je te pointe. Calmez-vous. Si je tire, t'es mort. Tu vois? Ouais. Est-ce que c'est là le cours de défense qu'on prend? Bon, les armes c'est très simple. Wow, ok. Moi ce que je peux faire c'est, monsieur, posez cette feuille de bananier. Tu vois déjà la négociation marche. Putain. Il y en a d'autres, donc si je l'énerve, je... voilà. Mais on peut faire ça à peu près 12 fois. Hein. Donc c'est le problème. Donc tu vois, oublier la négociation, il faut passer à la force. Le mieux en vrai, c'est de faire ça. Aïe aïe aïe. Ah, il m'a transpercé. Mais t'as rien fait, c'est totalement. Si, il m'a transpercé la main là. Oh. Normalement, ça devrait l'impressionner. Et tu fais comment du coup là? Parce que moi, il me reste encore pas mal de. Ouah, mais il est où? Jordan! Alors vous voyez? C'est incroyable! Et voilà, tu vois, c'est comment se défendre d'à peu près tout. Ce sera un nouveau livre que je vais sortir dans pas longtemps. N'hésitez pas à l'acheter aux éditions Flouki Poupou, Pico Poupoupi. Maintenant, si vous voulez voir la formation entière sur comment se défendre d'un fusil à pompe, vous avez mon PowerPoint/PDF qui est juste là sur comment se libérer d'un fusil à pompe. Vous avez celui-ci sur comment éviter de prendre une balle de Glock. C'est les seuls sur lesquels je travaille. Pour l'instant. Et il y a des exemples comme celui qu'on vient de montrer qui sont très concrets. Je suis un petit doigt dans le trou de pète. Oh.